Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 1C du CRPE 2015, groupement 1. Voici l'énoncé. Les parties C et D sont indépendantes. Partie C, quelques conséquences de la formule de Pick. Dans cette partie du problème, on admet que la formule est vraie dans le cas général. Question 1. Prouver qu'il ne peut y avoir de polygone de pique d'R 7,5 avec B pair. Question 2. On considère un polygone de pique d'R 7,5. Démontrer que la valeur maximale que peut prendre B est 17. Tracer sur la copie un réseau pointé à maille carrée et sur ce réseau un polygone de pique correspondant à cette valeur. Question 3. On veut tracer un polygone de pique d'R 7,5 et contenant un seul point intérieur. Quelle est alors la valeur de B ? Tracez sur la copie un réseau pointé à maille carrée et sur ce réseau, un polygone de pique d'R 7,5 vérifiant ses conditions. Question 4. Démontrer que le nombre maximal de points sur le bord d'un polygone de pique d'R A quelconque est 2 fois A plus 2. Alors si B pair, cela veut dire qu'il existe. Donc si B pair, alors il existe un entier K, K appartenant à Z, tel que B est égal à 2K, 2 fois K. Donc ici, on aurait I, donc on aurait l'air égal à I plus B sur 2, donc B sur 2, moins 1. Or, B c'était 2K sur 2, moins 1. I plus K, moins 1, 2 sur 2, on peut simplifier. Donc i plus k moins 1. Or i est un entier, k est un entier, moins 1 est un entier. Donc l'air ici est entière, appartient à n. Or ici on a 7,5, donc c'est ce qui est contradictoire, donc contradiction. Donc ne peut pas y avoir de polygone de pique d'R 7,5 avec B pair. Voilà. Donc là, on appelle ça une démonstration par l'absurde. Donc on suppose le contraire. On suppose que B pair. On déroule le raisonnement. On aboutit à une contradiction. Ici on a dit que R appartient à N alors que ici l'R est égal à 7,5. Donc ça c'est égal à 7,5. Donc il ne peut pas y avoir de polygone de pique d'R 7,5 avec B pair. Alors on considère un polygone de pique d'R 7,5. Alors donc l'R donc c'est I plus B sur 2 moins 1. Donc c'est égal à 7,5. On va montrer que la valeur B maximale est 17. Alors si B est maximal, bah, I est égal à 0. I est égal à 0. Donc B sur 2 moins 1 égale à 7,5. Et donc ici B sur 2 est égal à 8,5. B est égal à 8,5 sur fois 2 est égal à 17. Donc B maximal quand B vaut 17. Alors on peut tracer ce polygone sur GeoGebra. Alors, là on va céder du quadrillage. Donc en fait, on veut 17 points au bord et 0 à l'extérieur. Donc ici on va prendre on va tracer le polygone en question, donc A, H, I et Q. Voilà, A, H, I, Q, c'est donc le polygone de pique d'R 7,5 et dont B est maximal, donc 17. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et donc l'R est égal à 7,5. Alors, on veut
Maintenant, avec un seul point intérieur, donc I est égal à 1. I est égal à 1. L'air est égal à I plus B sur 2 moins 1, égal à 7,5. I est égal à 1. Donc 1 moins 1, 0. Donc B sur 2 est égal à 7,5. B est égal donc à 7,5 fois 2. Et donc B est égal à 15. B est égal à 15. Donc on veut un polygone avec un bord, avec un nombre de points au bord égal à 15 et un point intérieur 1. On va tracer sur GeoGebra donc le polygone correspondant à ces deux dés. Là on va tracer donc ce polygone. Donc le point intérieur on va le mettre en 2,2. Et donc maintenant on va tracer donc ce polygone ici. 1, 2, 3, on va entourer en fait le polygone, le point intérieur ici, voilà, et maintenant, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc maintenant on va compléter, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc voilà le polygone, donc le polygone ça va être A, N, O, G, F et E, donc voilà le polygone qui respecte condition I est égal à 1 et R 7,5. Alors démontrer que le nombre maximal de points sur le bord d'un polygone de pique d'air A quelconque est 2A plus 2. L'air est égal à I plus P sur 2 moins 1. Alors nombre maximal de points sur le bord, donc c'est-à-dire que I est égal à 0. I est égal à 0. Donc R est égal à B sur 2 moins 1. Donc on va exprimer B en fonction de A. B sur 2 est égal, on fait passer le moins 1 de l'autre côté, ça va faire plus 1, donc A plus 1. Et il suffit maintenant de multiplier par 2, donc 2 fois B sur 2, ça va faire B. Elle a 2 A plus 1, et donc ça va être égal à 2 A plus 2. Donc voilà, nombre de points au bord est égal donc à 2 fois A plus 2. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.